Yeah.
Ma bocca fa stecca, e muore.
Adonai b'fo' alecha, b'ma'aseh yadecha haraneh. Magadlu ma'asecha Adonai, me'od alku b'tumutecha. Tov v'hodot la'Adonai, u'zamer b'shimcha e'elyon. V'hagid b'boker hasdecha, b'emunatcha b'alelon. Adonai, Adonai,
שלקח את ישוע לירושלים אי-אה-אי-אה-אי-אה החמור הקטן שלקח את ישוע לירושלים הושנה, הושנה, הושנה בן דוד הללויה, הללויה, הללו את אלוהים איזה כיף ואיזו שמחה לחמור הקטן שלקח את ישוע לירושלים איזה כיף ואיזו שמחה לחמור הקטן שלקח את ישוע לירושלים הושנה, הושנה, הושנה בן דוד Hallelujah, 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 Elohim. Rachem Adonai, Elohim. Al Yisrael Amecha Rachem Adonai Al Yerecha Yerushalayim Be'al Tzion Kvodecha Malchut Beit David Mishichecha Ve'al Habayit Hagadol Ve'hakadosh Shenikra Shimcha Beshuv Adonai et Shivat Zion Hayinu kechogmim Az himale Shenikra
Yeshua HaMashiach Beno Metaher Otanu Metaher Otanu Mikol Chet Hitchabruteinu Im Ha'av Ve'im Beno Yeshua thank you.
et shalti mi et Adonai ota.
Ha'adon shel Am Israel. Halleluya. Halleluya ha'adon shel kol ha'amin. Halleluya. Halleluya ha'adon shel kol ha'olam. Halleluya. Halleli nafshi et Adonai. Halleli nafshi et Yeshuato. Halleli nafshi et Adonai. Halleli nafshi et Yeshuato. Hallelujah to the Lord of Israel. Hallelujah. Hallelujah to the Lord of all the earth. Hallelujah. Hallelujah to the Lord of the universe. Hallelujah. And hallelujah to the Lord of my heart. Hallelujah. Rejoice in the Lord, O my soul. Rejoice in His salvation. Rejoice in the Lord, O my soul. Rejoice in His salvation. Rejoice in the Lord, O my soul. Rejoice in His salvation. Rejoice in the Lord, O my soul. Rejoice in His salvation. Halleluya nafshi et Adonai. Halleluya nafshi et Yeshuato. Halleluya nafshi et Adonai. Halleluya nafshi et Yeshuato. Say Adonai, may
2. Ouais, je pense que ça passe. Ouais. Tu me dis hein, quand on est en direct. Thank you.
savoir, on y est. Ça passe en direct là. Ah super. Eh bien voilà, Shabbat Shalom, frères et sœurs. Content d'être là avec vous, même si c'est virtuellement, si c'est à distance. Hop, j'espère que je ne veux pas trop parler trop fort dans le micro. Il n'y a plus la petite protection. Je la cherche, mais bon, si ça dérange, n'hésitez pas à le dire dans le chat et je prendrai un micro un peu plus classique. Voilà, donc je disais, très heureux d'être avec vous en ce jour de Shabbat. Merci de nous rejoindre et que la paix du Seigneur soit vraiment sur chacun d'entre vous et que son amour puisse vraiment régner dans chacun de vos cœurs. Alors, avant de poursuivre, et comme à mon habitude, j'aimerais bien remettre tout simplement ces instants dans la prière et devant notre Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je désire m'avancer devant toi, bien humblement, Seigneur, pour te demander de tout simplement de me guider et de mettre tes paroles dans ma bouche. Seigneur, le but n'est certainement pas que ce soit un enseignement qui vienne de moi, que ce soit mes paroles, parce que ce seraient des paroles d'hommes, et bien qu'elles pourraient être, j'imagine, intéressantes sur certains points, elles ne seraient pas édifiantes, Seigneur, et on veut, Seigneur, vraiment recevoir de toi, tout simplement, que tu puisses parler à chacun de nous, à chacun de nos cœurs, et que cet après-midi puisse vraiment être à ta gloire, que ce moment de partage puisse être édifiant pour ton corps, Seigneur Yeshua. Je te place chacun de ces instants entre tes mains, et que tu puisses vraiment ouvrir nos cœurs, ouvrir notre esprit, et nous donner ton Saint-Esprit, Seigneur, dans ton nom tout-puissant. Amen. Voilà, donc, il y a un petit retour, je ne sais pas si je parle trop près. Hop, hop. Voilà. Donc, le message que je vais vous apporter aujourd'hui fait en fait suite au message que j'ai donné le 6 novembre. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par un tout petit rappel sur ce qu'on avait fait à ce moment-là. Dis-moi, Jacques, hein, t'inquiète. Hein. Ouais, là, c'est mieux. Donc, je disais, je vais faire un tout petit rappel, bref, pour se remettre un petit peu en mémoire ce qui avait été fait la fois précédente. Et donc, je rappelle simplement que le message que j'essaye de donner et que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'était d'avoir cette vision, finalement, que Dieu a de nous, la vision que Dieu a à notre sujet. Et la chose qui avait été vraiment, je veux dire, principale dans mon message précédent, c'était de savoir faire face aussi à l'échec. L'échec qui est bien souvent, je veux dire, à connotation négative, hein. On vit dans une société, je veux dire ça comme ça, qui pénalise fortement les personnes qui font face à un échec. On a souvent aussi un statut de personne incapable quand on fait face à un échec. Ah ben tiens, si tu as échoué, c'est que tu es incapable, c'est que tu n'y arriveras jamais. Alors, c'est drôle parce qu'aujourd'hui j'écoutais un chant de louange de Casting Crows, The Voice of Truth, et dans ce chant, qui est vraiment très édifiant, ils reprennent justement toute une série de paroles que l'ennemi peut mettre à nos oreilles, du style « tu n'y arriveras jamais, c'est pas pour toi tout ça, ces choses-là sont trop difficiles, ça va vraiment être impossible ». Et le chant continue en disant « mais la voix de la vérité, donc le Seigneur et son Saint-Esprit, ce n'est pas ce qu'ils me disent. Ils me disent de prendre courage, ils me disent de croire en lui, et ils disent que « ne t'en fais pas, je serai avec toi et les choses seront faites à ma gloire ». Donc voilà, frères et sœurs, quand on fait face à un échec, on se souvient que ce n'est pas la fin du monde et que le Seigneur veut se servir de ça, bien entendu. On avait donné beaucoup d'exemples, hein, d'échecs qui avaient finalement produit quelque chose d'assez fabuleux. J'avais repris notamment l'exemple avec Einstein, souvenez-vous, qui s'était trompé dans ses calculs à un moment donné, mais bon, il ne s'est pas contenté de se décourager. Bien sûr, c'est décourageant même pour les plus courageux. Mais Einstein avait retroussé ses calculs, il avait été jusqu'au bout, il a cru en sa théorie et finalement ses erreurs lui ont permis de progresser et lui ont permis d'aboutir à une théorie très complète. On repense aussi à Jonas qui,
a fait face à cet échec dans un premier temps quand il était envoyé vers la ville de Ninive. Et son échec a été simplement dans une forme d'orgueil quand il s'est supposé et qu'il s'est trouvé trop pur pour pouvoir aller parler à des personnes qu'il était un peu moins. Et le Seigneur l'a repris, l'a mis face à cet échec, et puis on sait les fruits que ça a produit. Jonas s'est repenti et puis il est allé dans la ville de Ninive et ça a produit vraiment des fruits de repentance. Donc voilà, la conclusion de tout ça dans cette première partie, c'était que, bien entendu, le Seigneur veut se servir de nos erreurs pour pouvoir, établir des choses en nous et faire fructifier au travers de l'échec un apprentissage. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que l'échec est synonyme, finalement, d'apprentissage. Et donc, le Seigneur se sert de ça pour nous perfectionner, en nous montrant la voie à suivre, et la voie par excellence, on la connaît, c'est l'amour. On y reviendra un peu plus tard. Mais surtout, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il faut bien entendu ne pas commettre des erreurs exprès, en le faisant exprès. Ce n'est pas non plus ce que le Seigneur nous demande de faire. Ce qu'on doit faire, c'est essayer de minimiser, bien sûr, les erreurs de parcours, les erreurs qu'on commet dans nos vies. Et ça, bien sûr, la Bible est là pour nous enseigner, et les paroles du Seigneur sont là pour nous aiguiller afin de minimiser les erreurs. Enfin, voilà, c'est vrai que ce serait peut-être utopique, ou moi je pense que c'est la voie qu'il faut viser, c'est le but qu'il faut viser, mais dire qu'on pourrait vivre un moment, une vie sans faire aucune erreur dans notre parcours, bon, ça semble quand même compliqué, mais l'idée c'est qu'il faut minimiser nos erreurs et surtout s'en servir ensuite pour laisser le Seigneur les faire fructifier au travers d'apprentissage. Et enfin, dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir, enfin juste rappeler, c'est qu'il ne faut pas reproduire ces erreurs, bien entendu. Le but aussi de l'apprentissage que le Seigneur nous donne, c'est de nous montrer comment ne pas recommencer. On se souvient de cette parabole que le Seigneur avait donnée, de cette histoire dans la Bible, où le Seigneur pardonne à bon nombre de personnes, mais notamment la prostituée, en lui disant ensuite, tu es pardonné, mais ne recommence plus. C'est important. Donc la deuxième partie faisait évidemment suite à la première dans une continuité directe qui était juste d'apprendre de ses erreurs. Et puis souvenez-vous aussi toutes ces analogies que je donnais avec l'arbre finalement. Donc quand on commet des erreurs, l'image que je donnais c'était d'un arbre qui avait perdu toutes ses feuilles et qui était un peu flétri. Et c'est l'image qu'on peut avoir tout doucement des arbres qui sont aujourd'hui autour de nous, on arrive tout doucement quand même aussi, on est bien dans l'automne, on va arriver en hiver. Et donc les arbres perdent leurs feuilles, mais quand on apprend de nos erreurs, et quand on fait un petit zoom sur une des branches là quelque part de cet arbre, où il n'y a plus du tout de fleurs, ni de fruits, encore moins, eh bien on peut voir ces petits bourgeons. Souvenez-vous de cette petite image, les petits bourgeons, de loin on ne les voit pas. De loin, on ne les voit pas du tout, alors qu'en se rapprochant et qu'en zoomant un petit peu plus sur les choses, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a déjà fleuri, qui a déjà commencé à germer. Et c'était l'image que je donnais après un échec, et puis quand on se rend compte qu'on a besoin du Seigneur dans notre vie, eh bien commencer à s'enraciner en lui. On s'enracine en lui pour épuiser les bons nutriments dont on a besoin. Et on sait que la parole de Dieu dit qu'on ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et donc il faut vraiment, vraiment s'enraciner dans le Seigneur, surtout en ces temps où, les temps de détresse et d'angoisse émotionnelle, d'angoisse psychologique vont bon train avec tout ce qui se passe. Il est d'un grand secours de se remettre vraiment au Seigneur. Et donc avec le temps, si on s'enracine avec le Seigneur, on a quelque chose qui commence à émerger, un petit bourgeon, et puis au bout d'un certain temps, encore, on a tout doucement des fleurs et des fruits qui arrivent. Mais j'insistais aussi sur le fait que ça peut prendre du temps. Quand un arbre passe de l'état « je n'ai plus aucune fleur, je n'ai plus aucune feuille, ni aucun fruit » à l'état où il est, quand c'est un arbre fruitier par exemple, fleuri d'une façon magnifique et avec des fruits excellents, il s'écoule du temps, frères et sœurs. Il ne faut pas aller trop vite, ni trop lentement. Si un arbre ne produit pas de fruits pendant 20 ans, on ne va pas le garder non plus. La parole de Dieu est claire aussi à ce sujet, on le coupe et on le jette au feu. Mais il ne faut pas non plus aller trop vite.
Un arbre qui va vouloir produire du fruit trop vite, c'est un arbre, c'est peut-être un fruit qui ne sera pas si bon que ça. Voilà, ça va être quelque chose qui ne sera pas très sucré peut-être, et c'est un fruit qui ne sera pas très productif. Donc, on laisse le Seigneur nous travailler, on s'enracine en lui, et quand c'est comme ça, tout doucement, les bourgeons arrivent pour présager vraiment de belles choses qui vont arriver. Je rappelais aussi hein, que quand on se donne à Dieu vraiment, pleinement, la parole de Dieu, elle dit que toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Il y a beaucoup de personnes qui sont découragées parce qu'on leur dit, ben, tiens, si quand tu t'es converti, si tu n'as pas abandonné la cigarette ou si tu n'as pas abandonné telle ou telle chose, c'est que tu ne t'es pas vraiment donné au Seigneur. La traduction plus exacte du passage en 2 Corinthiens, 5, 15 à 17, hein, pour ceux qui veulent la référence, la traduction plus exacte nous dit que c'est en train, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Et ça va vraiment dans la même philosophie du message que je donnais dans la deuxième partie, qui est de laisser le Seigneur nous travailler à son rythme. En temps et en heure, les choses arriveront. Voilà, et donc, j'aimerais aujourd'hui tout doucement... Ah oui, il y a quand même quelque chose aussi que je voulais rappeler pour la deuxième partie. C'est ces temps de désert. J'avais insisté aussi un petit peu sur le fait que quand on regarde les arbres qui sont dans les déserts, ces arbres ont bien bien souvent des racines beaucoup plus profondes que les arbres un peu plus courants qui ne sont pas dans des milieux arides. Et ça, le Seigneur m'avait donné cette analogie de comprendre qu'en fait, quand on passe dans nos vies des moments de désert, donc des moments très difficiles, c'est bien peut-être parce que le Seigneur veut qu'on aille s'enraciner plus profondément en lui. Donc à l'image de ces arbres qui s'enracinent plus loin pour aller chercher l'eau, les nutriments dont ils ont besoin, nos temps de désert dans la vie ont ce but-là aussi. Bien sûr, je veux dire... Il y a des choses qu'on peut aussi provoquer et qui ne viennent pas de Dieu. Ça, c'est un autre message. Mais quand les temps de désert sont vraiment permis par Dieu, souvenez-vous qu'il y a ce but derrière, où le Seigneur veut qu'on aille s'enraciner en lui plus profondément. Et donc c'est des temps qui sont décourageants, hein, souvent, parce que bah, c'est difficile. Mais il y a ce fruit derrière, je veux dire ce but, qui est vraiment glorieux de voir que finalement on va en ressortir bien plus grand dans notre relation avec le Seigneur. Et donc, quand c'est comme ça, on ne se décourage pas, on continue de s'enraciner en Dieu, et puis, bah, tout doucement, avec le temps, le bourgeon va donner naissance à des fleurs, et les fleurs vont ensuite voir aussi des fruits arriver. Et bien que je vais y revenir un petit peu dans la troisième partie, donc celle d'aujourd'hui, je rappelle déjà que les fleurs finalement et les fruits que l'arbre porte ne sont pas pour lui. Ces fruits et ces fleurs sont pour les autres. Le fruit est mangé par les personnes qui sont autour de cet arbre et les fleurs sont faites pour être admirées par ces personnes. L'arbre ne voit pas ses fleurs et il ne mange pas ses fruits. Il peut, à la limite, on pourrait pousser l'analogie en disant que les fruits qui restent à terre redonnent des bons nutriments aussi pour l'arbre et il y a quelque chose à pousser là-dedans. Puisque si, les fruits qu'on porte dans nos vies nous font du bien aussi. Mais je veux dire, le but premier des fruits et des fleurs qu'un arbre porte, c'est vraiment de, je vais le dire comme ça, de régaler les autres. C'est vraiment de donner de la joie et d'édifier les personnes qui sont autour de cet arbre. Donc voilà, passons à la troisième partie, après ce rappel qui, je l'espère, n'était pas trop long. Voilà. Je peux mettre ça de côté. Et donc, finalement, avec ce que je viens de dire, il est vraiment glorieux. Il est vraiment glorieux de voir ce que le Seigneur peut faire au travers de nous et de voir que finalement un arbre qui peut être à l'article de la mort, sans fleurs, sans feuilles, qui est tout vraiment flétri, quand on voit ce que le Seigneur est capable de faire et de voir que la saison d'après, même si l'arbre était malade, avec quelqu'un qui s'en occupe correctement, à l'image du Seigneur avec nous, eh bien, cet arbre peut produire quelque chose de fantastique et de formidable pour des années durant. Et donc, c'est exactement ce que le Seigneur fait avec nous, c'est qu'il veut en fait aller chercher chacun d'entre nous pour nous ramener
malheureusement, je vais dire, du chemin qui nous menait à la mort, avant qu'on ne le rencontre, avant que nous étions avec, que nous acceptions le Seigneur plutôt. Donc, ayons déjà bien en tête que le Seigneur fait déjà cette chose formidable en nous. Quand il vient habiter en nous et qu'il nous donne son Saint-Esprit, eh bien, il va tôt ou tard, c'est une conséquence inéluctable, il va tôt ou tard nous faire porter du fruit et exposer de magnifiques fleurs, afin que les autres qui nous voient et qui voient notre comportement soient encouragés aussi. Vous savez, on va réaborder aujourd'hui le but de ce message, c'est de voir quelques fruits que nous pouvons porter quand nous sommes vraiment en Dieu. Mais vous savez, avec les temps qui courent, et puis moi plus j'avance aussi dans la vie, maintenant j'ai tout doucement 30 ans, je me rends compte à quel point les gens qui peuvent parfois, je vais dire, être autour de moi, sont dans une forme de, je ne vais pas dire de tristesse dans la vie, mais ils n'ont aucune espérance. Ils n'ont vraiment, vraiment pratiquement aucune espérance dans la vie et rien de véritable, rien de comparable à l'espérance que le Seigneur nous donne. Et donc de porter des bons fruits et d'avoir ces fleurs somptueuses que le Seigneur va nous faire porter, rien qu'un coup d'œil, un croyant se distingue parfois dans une pièce. Quand il rentre, c'est curieux, mais quand il rentre, moi ça m'a déjà fait cet effet, quand je voyais certains hommes de Dieu arriver, on sentait tout de suite quelque chose. Je ne veux pas rentrer dans une forme de spiritisme ou de bêtises de ce genre, mais l'Esprit Saint qui est en nous est sensible à l'Esprit Saint qui est aussi dans cette personne. Et parfois l'Esprit Saint, même si il est en nous et qu'il n'est pas dans d'autres personnes, il y a comme une manifestation qui se produit et les gens sentent qu'il y a quelque chose de différent. Vous n'avez pas encore ouvert la bouche et vous n'avez encore pas fait grand chose, que les gens sentent, tiens, il y a quelque chose chez cette personne d'assez curieux. Et puis voilà, en apprenant à vous connaître, et si vous êtes vraiment de Dieu, ils vont connaître vos actes, ils vont voir comment vous vous comportez, et c'est évidemment les meilleurs fruits qu'on peut porter. C'est d'avoir ce témoignage véritable sur notre entourage et sur les gens qui nous entourent. Donc le Seigneur le dit en Matthieu 12, 33. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre les passages avec vous en même temps, comme ça. Je sais que je vous laisse du temps pour le faire, parce que d'habitude, je mets mes petits post-it. Mais je me rends compte que du coup, je vais peut-être un peu vite, et que les gens qui veulent essayer de prendre les passages avec moi, ils sont peut-être juste en train de prendre le passage, de le trouver, que je suis déjà en train de le lire. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire ça ensemble. Donc en Matthieu 12 et 33, chapitre 12, verset 33. Il est dit, dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Et alors il continue un petit peu plus loin en disant, il parlait à des pharisiens, en disant, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses mauvais comme vous êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Et l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. On sait que le Seigneur dit de faire attention à notre cœur, parce que là où on place notre cœur sera notre trésor. Donc il est question ici vraiment d'avoir un cœur qui soit à la gloire de Dieu et qui soit orienté vers la volonté du Seigneur. Donc ici, le point sur lequel évidemment je vais insister dans ce passage, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de mystère. Un arbre qui est bon produit de bons fruits et un arbre qui est mauvais produit de mauvais fruits. Et donc on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît finalement la vie d'un croyant, on reconnaît la vie d'un disciple du Seigneur aux fruits qu'il va porter. Et il y a toute une série de passages bibliques, et j'en ai repris quelques-uns en Jean, qui sont importants et qui nous montrent que c'est bien en Yeshua que nous devons nous enraciner à l'image du sarment et du cep. Si on veut porter du bon fruit, un peu comme le sarment et le cep le font, le sarment qui va produire les fruits de la vigne,
Il faut nous enraciner dans le Seigneur Yeshua. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si on veut porter un fruit qui soit bon et qui soit véritable, qui puisse produire ensuite du bon fruit aussi chez les autres personnes, il faut d'abord que nous soyons enracinés dans le Seigneur et en rien d'autre. En Jean 15, au verset 4, donc Jean au chapitre 15, verset 4, là il y avait toute une série de versets que j'avais bien envie de prendre, donc moi je les ai déjà recopiés sur ma page. Donc je vous laisse prendre le passage si vous avez besoin d'un peu de temps. Jean chapitre 15, au verset 4, le passage dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Donc, si on ne demeure pas dans le Seigneur, si on ne s'enracine pas en lui, impossible d'arriver à cette troisième étape qui est de porter du fruit, après les bourgeons et ainsi de suite. Ensuite, en Jean 15, verset 5, donc c'est dans la continuité, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. » Qu'on ne s'y trompe pas et qu'on ne mette pas la charrue avant les bœufs, entre guillemets. C'est le Seigneur qui est bien le cep et c'est lui qui nous permet de porter du bon fruit. Nous ne sommes que les sarments. Nous sommes vraiment ses serviteurs et ses disciples. Il n'est pas question ici de dire que les fruits que nous portons viennent de nous. Ils viennent de ce que le Seigneur produit en nous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et enfin, au verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Absolument. J'y reviens tout de suite. Et que vous serez mes disciples. Il y a un autre passage qui dit, c'est comme ça aussi qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous portez du fruit. Et donc, quand dans ce passage ici, donc au verset 8, le Seigneur nous dit que c'est ainsi que le Père sera glorifié. C'est vraiment l'image de voir cet arbre, même de loin, qui a déjà des fleurs exceptionnelles. Et on n'a pas encore goûté aux fruits de l'arbre qu'on est déjà impacté, qu'on est déjà émerveillé de ce que le Seigneur, de ce que la sève a produit en cet arbre. Et c'est comme ça que le Père est glorifié. Bien sûr, nous devons le glorifier aussi, nous devons l'adorer, nous devons louer le Père Céleste. Mais au travers de notre témoignage vivant, c'est ainsi que nous glorifions aussi le Père. Ben oui, on voit l'œuvre du Père Céleste, on voit l'œuvre du Seigneur, du Saint-Esprit dans la vie des disciples du Seigneur. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que l'action de Dieu existe encore aujourd'hui. Et que l'action de Dieu est encore véritable aujourd'hui. Que ce n'est pas des histoires à dormir debout d'il y a 2000 ans. C'est des choses qui sont encore vraies aujourd'hui et on voit encore l'action de Dieu dans la vie des gens. Et gloire à Dieu. C'est ainsi que le Seigneur et que le Père est glorifié et qu'on voit l'œuvre du Père en temps réel devant nous. Donc, je pense que tout doucement, il est bon aussi de rappeler quelques fruits que nous pouvons porter. Donc là, jusque-là, on dit que c'est bien de porter du fruit, qu'il faut porter du fruit, mais quels sont ces fruits? Il y a un passage bien connu qui parle du fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, donc, je vais revenir un tout petit peu sur ces fruits de l'esprit. Je pense que c'est jamais mauvais de finalement se les rappeler et d'avoir un petit rafraîchissement de mémoire sur ce qui doit finalement être manifesté dans notre vie, si l'esprit vit en nous. Et puis un tout petit peu plus tard, je parlerai d'un deuxième fruit. On s'arrêtera là parce qu'on n'aura pas le temps évidemment de balayer tous les fruits qui sont portés au travers de notre vie. Quand le Seigneur agit avec nous, il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de choses à dire aussi. Mais donc on en verra aujourd'hui deux principaux. Et le premier, c'est simplement le fruit de l'esprit qui se compose en plusieurs parties. Donc pour ça, on reprend le passage bien connu évidemment de Galates 5, 22. Donc, Galates chapitre 5, verset 22. Et on va s'attarder sur les neuf parties du fruit du Saint-Esprit, les neuf éléments. Et évidemment, quand la parole de Dieu nous parle du fruit de l'Esprit, quoi de mieux que de commencer par l'amour.
l'amour de Dieu. L'amour qui doit nous habiter quand nous sommes et quand nous marchons avec le Seigneur. Il y a beaucoup de passages qui disent, il y en a un qui me revient en tête, qui dit « Celui qui n'a pas l'amour ne peut pas avoir connu Dieu parce que Dieu est amour. » Donc le premier fruit qui est manifesté en nous, ben, c'est l'amour. Comment pourrions-nous prétendre être de Dieu si on n'a pas l'amour? Si à la moindre occasion, on fait preuve d'un manque d'amour. Si à la moindre occasion, on ne prend pas en compte finalement la douleur de certaines personnes dans leur vie et qu'on les ignore finalement. Quand il y a des personnes qui sont dans des détresses, dans des douleurs, la parole de Dieu nous invite à souffrir avec ces personnes, à porter leur fardeau avec eux. Et vous savez, dans ce genre d'expérience, quand on fait preuve d'un amour véritable, c'est là que le Seigneur aussi se manifeste vraiment en puissance et qu'il y a des choses faramineuses qui se produisent. La plus belle preuve d'amour, bien entendu, c'est ce que le Seigneur Yeshua a fait pour nous à la croix. Mais comment est-ce qu'on pourrait vraiment prétendre marcher avec le Seigneur si, j'ai un autre exemple qui me vient en tête, mais si systématiquement quand on voit des personnes qui sont à la rue, on détourne le regard pour finalement ne jamais prêter attention à leurs conditions et ne cesse que sans donner forcément de l'argent, mais leur adresser un peu la parole, leur donner un petit peu de notre temps et un petit peu d'attention. Comment est-ce qu'on peut vraiment se prétendre de Dieu si quand on a un différend avec une personne, on va vers cette personne et qu'on la blesse volontairement? Le Seigneur nous dit que ça peut arriver d'avoir des différences d'opinion, et ça peut arriver d'avoir des différends avec certaines personnes, mais qu'il faut s'expliquer avec douceur et avec amour. Et le dernier exemple qui me vient en tête, c'est finalement comment prétendre être de Dieu si l'amour qui doit être porté en nous avant toute chose, envers nos enfants, envers notre femme, envers notre mari, est absent. C'est vraiment dans les foyers que le Seigneur nous teste en premier. Parce que c'est là qu'on doit exercer son amour au jour le jour. C'est vraiment dans nos foyers, avec nos proches, frères et sœurs, mari, femme, frère, ça je l'ai déjà dit, mais les enfants. Frères et sœurs, vraiment ce fruit qui est l'amour de Dieu doit vraiment être abondant en nous. Quand on est avec le Seigneur a fait preuve d'amour débordant tout au long de son ministère et tout au long de sa vie. Ça n'a pas empêché de dire les quatre vérités en face par moment. Ça n'a pas empêché de reprendre aussi les pharisiens, de reprendre les personnes qui en avaient besoin. Mais il le faisait toujours pour leur bien. Il le faisait toujours pour les inciter à changer d'attitude afin de simplement être avec le Père Céleste après, pour la vie éternelle. Donc on ne peut pas prétendre être de Dieu, on ne peut pas prétendre marcher avec le Seigneur si on n'a pas l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qui doit être naturel, c'est pas forcé. C'est quelque chose que le Seigneur va vous donner vraiment de façon tout à fait naturelle par la suite. Ayez des petites attentions, vraiment des petites attentions particulières pour les uns et les autres, pour leur montrer que vous les aimez. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire bien sûr sur l'amour, mais on va s'arrêter là avec ces quelques petits exemples, j'y reviendrai peut-être plus tard. Alors le deuxième fruit qui vient juste après l'expérimentation ou l'expérience plutôt de l'amour de Dieu dans notre vie, c'est donc d'avoir de l'amour pour les autres, et le deuxième c'est la joie. Mais on se sait aimer, on sait que le Seigneur sera là pour nous malgré toutes les circonstances, malgré tout ce qui pourrait nous arriver. Il l'a dit aussi dans le tout dernier verset en Matthieu en disant qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Et naturellement, quand la parole de Dieu produit son œuvre en nous et que l'Esprit Saint porte du fruit, la joie tout simplement nous habite. Et je peux, je pense, dire que la joie est quelque chose dont on a besoin encore aujourd'hui aussi. Quand, si vous vous levez le matin en étant triste, la plupart du temps est malheureux,
Il peut y avoir évidemment de très bonnes raisons à ça. Loin de moi de juger qui que ce soit ici, je ne suis absolument personne. Mais la joie de Dieu est là à portée de main. Elle est là à votre portée de main. Demandez-la au Seigneur. Demandez-le au travers de l'Esprit Saint qui doit faire son œuvre en vous. Et vous savez, c'est drôle parce que de plus en plus, dans mon entourage au travail, il y a beaucoup de personnes qui sont assez angoissées avec tout ce qui se passe de nouveau avec le Covid qui est relancé, et la maladie qui rebat son plein. Et je ne vais pas dire que voilà, toutes ces circonstances me donnent de la joie, pas du tout. Mais ça ne m'enlève pas cette joie. Ça ne m'enlève pas absolument pas la joie que le Seigneur me donne de le connaître, de marcher avec lui et de constater sa bonté pour moi au jour le jour. Le simple fait de savoir qu'il m'aime et le simple fait de savoir que même si j'ai fauté dans ma vie, il est encore là à côté de moi, ça me remplit de joie. Et vous savez, quand vous avez de la joie au cœur, vous faites tout dans votre vie avec une certaine gaieté et vous le faites bien. C'est plus facile d'être bien disposé, c'est plus facile d'écouter, c'est plus facile d'avoir une bonne parole quand on a la joie du Seigneur dans notre cœur. Le fruit naturel suivant, la partie suivante du fruit de l'esprit, tout à fait naturel, c'est la paix. L'amour, la joie et puis la paix. Ben, à ces trois-là déjà, frères et sœurs, on se régale. On est vraiment, je vais dire, gâté par le Seigneur, la paix. Et de nouveau, dans ces circonstances, moi je fais très attention, évidemment, à respecter tout ce qu'il faut pour ne pas, je veux dire, propager le Covid ou bien l'attraper moi-même. Je respecte les gestes barrières. Il est vrai que le port du masque n'est pas toujours ce que je préfère faire, mais je fais vraiment un maximum, je prends mes précautions au maximum. Donc je vais dire ça comme ça, je ne suis pas non plus dans une attitude où je me dis je fais tout n'importe quoi et puis de toute façon le Seigneur est là pour récupérer ce que je fais. Ça c'est faux. Ça c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Le Seigneur nous demande d'agir avec sagesse et avec, je ne vais pas dire justesse, mais de ne pas rentrer dans justement ce chemin qui est de dire que le Seigneur va rattraper toutes nos bêtises et nos erreurs. Absolument pas, il n'a jamais proclamé ce genre de choses. Et donc, la paix dans ces circonstances ici, moi je fais tout ce que je peux pour respecter ce que le gouvernement nous demande de faire et être le plus sage possible. Je sais qu'à côté de ça, le Seigneur y fera sa part. Et je sais même que dans ces circonstances, vous savez, frères et sœurs, j'ai la paix, même si je devais attraper le Covid un jour, si je devais avoir même quelque chose de plus grave, et le Seigneur règne sur ma vie, c'est lui qui sait. J'aurai tout de même la paix. J'aurai tout de même la paix parce que je sais que c'est lui qui règne sur ma vie. C'est lui qui a mes jours entre ses mains. Je sais que ma vie repose complètement entre ses mains. Donc quand vous avez cette confiance totale dans le Seigneur, il y a automatiquement la paix qui vient derrière. Automatiquement. Tout ce qui m'arrive de bien, comme de ce que je peux juger être moins bien dans ma vie, je sais que le Seigneur est au contrôle de tout ça. Je sais qu'il ne permet pas une seule chose dans ma vie qui n'a pas eu son aval, je vais dire ça comme ça. Croyez-vous vraiment que Satan peut vous atteindre sans que le Seigneur le sache et sans qu'il l'ait permis pour une raison quelconque qu'on n'a pas forcément à comprendre? Mais le Seigneur règne, le Seigneur est tout puissant, il est, je vais dire, au-dessus de toute chose. Et sachez bien que en lui faisant confiance, on sait que tout ce qui nous arrivera dans la vie, c'est sous son contrôle et on a automatiquement la paix. La paix qui est vraiment une denrée rare aujourd'hui. C'est franchement, malheureusement, quand je vois l'état de détresse émotionnelle chez certains de mes collègues, j'ai vraiment de la peine pour eux parce qu'ils ont tellement, tellement peur d'attraper la maladie. Qu'au final, ils ne pensent qu'à ça, ils sont dans une forme de piège et de comme des chaînes et une prison mentale. Ils ne pensent plus qu'à ça. Je rentre chez moi, je fais ça pour ceci, cela, et puis
quand ils sont chez eux, qu'ils se sont désinfectés de la tête aux pieds, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais eux le font dans un état d'angoisse mentale. Ils pensent déjà au lendemain à ce qu'ils doivent faire pour essayer de ne pas l'attraper, avoir la troisième dose du vaccin par exemple, et ainsi de suite. Vous savez, frères et sœurs, vous pouvez évidemment décider de vous faire vacciner. Je ne vais pas rentrer dans le débat de s'il est bon ou mauvais de faire le vaccin. Chacun est maître de soi-même pour ça. Remettez les choses devant le Seigneur, c'est tout. Mais même si vous faites le vaccin, le virus pourrait quand même vous atteindre. Un vaccin, ce n'est pas quelque chose qui stoppe le virus. Moi, j'ai envie de dire que du moment que vous faites confiance en Seigneur, sentez-vous ensuite libre de faire les vaccins ou non. Mais c'est surtout la puissance de Dieu dans votre vie qui est capable de permettre que la maladie vous atteigne ou pas. Vous pourriez avoir le meilleur vaccin du monde qui vous protège à 99,99%. Il n'y a qu'une seule chose qui nous protège à 100% quand le Seigneur a décidé qu'on ne serait pas atteint d'une maladie, ben c'est lui. Si le Seigneur a décidé que vous ne serez pas atteint, vous ne serez pas atteint. Voilà, donc la paix du Seigneur surpasse vraiment toute chose, surpasse tout entendement. Et confiez-vous en lui continuellement. Surtout si vous avez des angoisses, surtout si vous avez des peurs particulières par rapport à cette époque, le Seigneur désire vraiment vous donner sa paix. Et ensuite, le fruit suivant, c'est la patience. Ah, la patience. La patience, c'est quelque chose dont je manque parfois. Je sais que le Seigneur m'en a déjà donné, et c'est vrai que je sais faire preuve de patience, mais je sais que je dois encore aussi progresser sur ce domaine-là. Et la patience, donc, c'est un fruit qui est particulièrement dur à cultiver pour certaines personnes. Et c'est pas un défaut. C'est quelque chose qu'il faut constater, que ce soit un fruit ou l'autre. C'est quelque chose qu'il faut simplement accepter. C'est vrai, je ne suis pas forcément très patient dans la vie. Il faut demander au Seigneur de nous travailler sur ce domaine. Il faut demander au Seigneur de nous guider sur certaines lectures, sur certains enseignements, sur certaines personnes peut-être, qui vont nous permettre de comprendre comment être plus patient. Et vous savez, le simple fait de vivre avec le Seigneur et le simple fait de chercher sa présence vous rendra plus patient. Parce que l'Esprit Saint va prendre de plus en plus de place en vous et la patience va naturellement aussi émerger. Le fruit suivant, donc, et oui, juste avant ça, quand même pour la patience, c'est un fruit important. Je pense qu'il faut que j'insiste un petit peu sur ce point-là. C'est vraiment un fruit important parce que la patience désamorce, en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations qui peuvent être compliquées, beaucoup de situations qui peuvent être, je vais dire, néfastes si on réagit avec emportement, si finalement on n'est pas du tout patient. Ça, c'est une chose. Et puis quand on fait preuve d'impatience dans la vie, quand on se jette trop rapidement sur une voie ou quand on emprunte une voie sans y réfléchir, en disant « j'ai juste envie de le faire, je le fais », je pense que voilà, sous l'impulsion finalement, sous le coup de certaines impulsivités, on sait aussi attirer pas mal d'ennuis. Donc la patience est un fruit qu'il faut cultiver. Il faut bien comprendre que ce que veut faire le Seigneur en nous avec la patience, c'est de nous donner une forme de recul par rapport aux événements qui peuvent avoir lieu dans notre vie. Une certaine forme de sagesse aussi. Savoir analyser les choses, de dire on ne va pas faire ceci ou cela trop vite. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de d'abord patienter pour attendre la réponse du Seigneur sur quelque chose et ainsi de suite. Lui demander aussi avant. Et donc la patience, voilà, quelque chose qu'il faut, sur lequel il faut insister, parce que c'est quelque chose qu'on oublie peut-être un peu plus aujourd'hui. Alors le fruit qui suit, la partie du fruit de l'esprit qui suit, c'est la bonté. La bonté évidemment qui va de pair avec l'amour. J'ai pris une petite définition du Larousse qui m'avait semblé chouette, la bonté. C'est une disposition de quelqu'un, être bienveillant, compatissant et charitable. Charitable qui fait évidemment référence
au fait de faire preuve de charité, et la charité qui est un synonyme d'amour. D'ailleurs, dans beaucoup de traductions un peu plus modernes, on parle souvent de charité plutôt que d'amour dans certains passages de la parole de Dieu, parce que l'amour est un terme qui est un peu très général, hein, qui englobe beaucoup, beaucoup de choses, tandis que la charité est plus précise. Et Wikipédia a donné aussi une définition que j'aime bien pour la bonté, qui était de décrire la bonté comme la qualité de celui qui fait preuve de bienveillance active. C'est le mot que j'aime bien dans cette définition, d'une bienveillance active envers autrui. Oh, c'est malheureux le fait que, par exemple, cette personne soit à la rue. Bon, ok. Mais la bienveillance active, c'est d'être triste pour cette personne, mais en plus, ensuite, d'aller vers lui. La bienveillance est aussi une activité efficace, susceptible de rendre réellement autrui heureux. Ça, c'est vraiment, c'est assez incroyable que cette définition soit finalement, presque écrite par la main d'un homme. Mais la bienveillance qui est donc définie dans Wikipédia comme une activité efficace, susceptible de rendre réellement heureux autrui. Donc c'est vraiment le fait d'avoir une activité efficace, donc une activité qui porte du fruit finalement, susceptible de rendre réellement heureux soi-même. Non, c'est pas ce que dit cette définition, de rendre réellement heureux les autres, et donc de porter ce fruit de la bonté pour les autres. Évidemment, hein, quand on voit l'action que le Seigneur fait au travers de nous pour rendre les uns et les autres heureux, ouais, c'est quelque chose qui nous rend heureux aussi. Évidemment qu'on va en retirer une satisfaction, mais on ne le fait pas pour ça. On le fait vraiment parce que le Seigneur tout simplement nous pousse à le faire, et que c'est quelque chose de naturel de vouloir voir les autres heureux au travers du Seigneur aussi, en leur parlant du Seigneur, en leur montrant qu'il y a peut-être une voie préférable à suivre plutôt qu'une autre. Alors la partie suivante, c'est la bénignité. La bénignité qui était quelque chose que je ne connaissais pas beaucoup avant. Je m'y suis intéressé un peu plus récemment. Donc la bénignité qui définit la disposition du cœur. C'est donc la disposition du cœur qui consiste à ne pas faire une montagne de ce qui est bénin, de ce qui est sans gravité finalement, à savoir examiner les choses dans leur juste proportion, même à savoir minimiser une situation au lieu d'en faire un problème. C'est tellement important, ce que je viens de dire, que je vais vraiment le répéter doucement une deuxième fois. La bénignité donc est définie comme la disposition du cœur. Donc c'est déjà une question d'avoir un cœur bien disposé, une disposition du cœur qui consiste à ne pas faire une montagne de ce qui est bénin. Donc on ne va pas faire tout un fromage de quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Dans une situation où finalement on a tendance à se vexer, ou, c'est un exemple, hein, à se vexer, mais à outrance, et d'être excessivement susceptible. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans le monde, et je pense même dans les assemblées. Et je vous rassure, j'ai absolument personne en tête. Mais c'est quelque chose, et je pense à moi-même aussi des fois, de commencer un petit peu à me dire oui mais quand même. Et puis je me rends compte, ben non, en fait, c'est pas grand-chose. Pourquoi est-ce que je me monte le bourrichon pour trois fois rien? Et c'est vraiment important parce que finalement, quand on a cette habitude d'être excessivement susceptible, d'avoir une susceptibilité exacerbée, on n'est jamais dans la joie du Seigneur. On ne va pas se mentir. On n'est jamais dans la joie du Seigneur, on n'a jamais cette paix, on n'a jamais cette patience. On est toujours en train de chercher, de faire une querelle de mots, comme dit la parole de Dieu aussi. Finalement, on fait une montagne de ce qui était sans gravité. La définition continue en disant que la bénignité, c'est de savoir examiner les choses dans leur juste proportion. Donc, si ça a été quelque chose, si vous avez été victime de quelque chose qui n'était pas très grave, entre guillemets, n'en faites pas quelque chose d'hyper grave. Ça ne veut pas dire qu'il faut taire toutes les blessures
dont vous avez été victime, si quelqu'un vous a blessé en vous disant une parole que lui pensait pas très grave, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une croix là-dessus, bien entendu, frères et sœurs. Il faut en parler avec douceur, avec amour, reprendre les choses depuis le début. Et si quelqu'un vous a blessé, il y a lieu que le pardon soit abondant dans cette situation. Mais d'un autre côté, personnellement, il faut savoir faire preuve de bénignité. Et donc de savoir examiner les choses dans leur juste proportion. C'est un des morceaux, une des parties du fruit de l'esprit. Donc si vous avez tendance à faire une montagne de pas grand-chose assez souvent, ben demandez au Seigneur tout simplement de vous travailler sur cette partie du fruit, de vous donner de plus de bénignité. Parce que c'est quelque chose qui vous pourrit la vie et qui pourrit la vie des autres dans votre entourage. Donc, c'est même quelque chose, la bénignité, qui est capable de minimiser une situation. Et ça, c'est la, je vais peut-être dire, c'est la bénignité level 2. C'est l'étape supérieure, c'est de savoir minimiser une situation au lieu d'en faire un problème. Donc, minimiser, ça ne veut pas dire non plus dédramatiser. Quand il y a lieu de pointer qu'il y a des manquements, des erreurs, quelque chose de grave, là, évidemment, il faut le dire, on n'est pas dans ces circonstances ici. On est en train de parler de choses qui sont vraiment pas graves, qui sont sans gravité. Et donc, au lieu d'en faire toute une montagne, la bénignité nous invite plutôt à minimiser en disant, bon, ok, c'est vrai que ceci est intervenu, mais c'est pas grave, on va s'expliquer gentiment, doucement, et la paix régnera ensuite entre nous. Donc de savoir simplement dédramatiser les choses qui ont lieu de ne pas devenir des problèmes exacerbés finalement dans vos vies. Donc arrêtez de faire des problèmes, en gros. La bénignité, moi je le vois un petit peu comme ça, c'est d'arrêter de chercher à chicaner sur tout et n'importe quoi, à trouver des problèmes il y a là où il n'y en a pas, et finalement faire le contraire de la bénignité, pour moi, se résumerait peut-être en une phrase. Vous savez, on connaît la phrase qui dit « à chaque problème, il y a une solution ». Mais il y a des personnes qui, à chaque solution, ont un problème. Oui, tout à fait. Donc c'est ça, il y avait une deuxième... Donc Jacques me pose la question de savoir s'il n'y a pas un lien avec le mot bénin. Absolument, la première partie de la définition que j'ai donnée tout à l'heure dit que ça définit la disposition du cœur qui consiste à ne pas faire une montagne de ce qui est bénin. Donc de ce qui est, voilà, quelque chose qui commence à émerger, c'est bénin, il y a un tout petit quelque chose, mais il ne faut pas dire non plus que c'est une montagne, ce n'est pas vrai. Il faut rester juste, il faut savoir, comme le dit la suite, examiner les choses dans leur juste proportion. Si c'est bénin, c'est bénin, ce n'est pas quelque chose qui est énorme. Ensuite, donc je le disais, il y a des personnes qui ont comme ça, je veux dire, un problème pour chaque solution. On leur propose des solutions et puis non, il y a un autre problème en fait qui intervient. Donc soyons plutôt justement dans la première version, la bénignité qui nous dit à chaque problème il y a une solution, on va essayer de minimiser une situation. Je veux pas aller jusqu'à dire qu'il faut minimiser un problème, parce que s'il y a un problème, il faut le résoudre, bien entendu, avec l'aide du Seigneur. Mais de minimiser ce que quelque chose, une situation peut produire de néfaste. Il faut voilà, le contenir, analyser les choses dans leur juste proportion, et si c'est bénin, on fait ce qu'il faut pour que la chose ne se développe pas, comme un cancer par exemple, quand c'est bénin, ça se guérit facilement. Donc on fait ce qu'il faut pour que ça ne se développe pas, mais donc sans en faire tout un tas, sans en faire tout un fromage, et sans trouver de problème à chaque solution qu'on propose. Et puis voilà, si dans les commentaires, je pense que peut-être la remarque venait d'un commentaire dans le chat, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas. Alors malheureusement, je crois que ces commentaires disparaissent avec la fin du live, mais s'il y a des choses à rajouter, s'il y a des choses évidemment que le Seigneur vous donne, n'hésitez surtout pas, je suis preneur. Alors, septième morceau du fruit de l'esprit, c'est la fidélité. La fidélité, c'est effectivement quelque chose qui fait grandement défaut aujourd'hui.
en particulier dans le monde, bien entendu, mais il ne faut pas se mettre de côté. La fidélité dans le service avec le Seigneur, la fidélité dans notre attitude, dans notre marche avec le Seigneur. Malheureusement, c'est vrai qu'on a parfois des découragements, mais il ne faut pas être de ce style à dire « un jour je marche avec le Seigneur et puis le lendemain, on verra bien ». Le Seigneur est tellement, tellement fidèle avec nous, le Père Céleste nous est tellement fidèle qu'il est tout à fait naturel de lui rendre cette fidélité. Et de vouloir marcher avec lui jour après jour et de se dire « mais c'est quelque chose que je veux faire encore dans 10 ans, dans 20 ans » et d'être fidèle vraiment dans les voies de Dieu. La fidélité, évidemment, dans les voies, dans les domaines de l'amitié. Les domaines de l'amitié, les domaines de l'amour dans un couple. Hein, on sait évidemment tous les problèmes de couple qui peuvent exister aujourd'hui avec les tromperies, les adultères. Et malheureusement, ces personnes-là manquaient de fidélité, manquaient de ce morceau, de cette partie du fruit de l'esprit. Et donc, bien entendu, s'il y a des morceaux, des parties qui manquent un peu en vous, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Il est en train de faire son œuvre, probablement. Et il vous donne tout doucement de porter tous ces fruits-là, tous ces morceaux. Mais quand on est au point d'avoir, je vais dire, des manquements si graves par rapport à certains points du fruit de l'Esprit, il faut quand même se demander à un moment donné si l'Esprit Saint est en nous. Parce que si, au bout du compte, on se rend compte qu'on n'a pas d'amour, qu'on manque de joie, qu'on n'a jamais la paix, et qu'on n'essaie jamais de semer la paix, qu'on n'est vraiment pas très patient, que la bonté nous a quittés il y a bien longtemps, et qu'on fait une montagne du plus petit quoi que ce soit, il ne faut pas s'étonner qu'après, la conclusion soit que l'Esprit Saint ne vous habite pas. Et que les chemins empruntés ne soient pas les bons. Donc la fidélité, qui est évidemment la suite naturelle de tous ces fruits, c'est de savoir simplement se donner à quelque chose en entier, et de s'y tenir, de savoir prendre des décisions dans sa vie avec le Seigneur, avec une épouse, avec ses enfants, avec ses amis, et de s'y tenir. Moi, c'est vraiment tout ça que m'évoque aussi la fidélité, c'est de demander au Seigneur d'avoir cette persévérance finalement, quelque part. La fidélité, pour moi, est aussi en lien à mettre en lien avec la persévérance. C'est des choses qui sont importantes dans une vie d'un croyant. Et malheureusement, quand on manque de fidélité, il suffit d'une fois, par exemple dans un couple, il suffit d'une fois pour provoquer des catastrophes immenses. Donc la fidélité, c'est un morceau qui arrive un peu tard, mais il ne faut pas l'oublier. Il faut vraiment se poser les questions de savoir si on fait preuve d'assez de fidélité dans notre vie au quotidien, déjà avec le Seigneur, de se dire si on ne mène pas des fois une double vie, et de savoir si on est vraiment dans notre marche avec le Seigneur en sincérité et en fidélité. Alors, l'avant-dernier morceau du fruit de l'esprit, c'est un de mes préférés, c'est la douceur. Quand j'entends parfois certaines personnes qui se prétendent être de Dieu et qui font preuve systématiquement, je ne dis pas que parfois on ne peut pas reprendre, je veux dire, quelqu'un en lui disant les vérités entre quatre yeux en étant un peu plus sec, parce qu'il faut que les choses soient dites. Mais néanmoins, il faut toujours essayer de les dire avec douceur, parce que le message est toujours beaucoup mieux reçu comme ça. Pensez à vos parents, qui vous ont sûrement repris une fois ou deux au cours de votre enfance. En tout cas, les miens, ça a été comme ça. Moi, je préférais que ce soit ma mère qui me reprenne, parce que je savais qu'elle était plus douce que mon père. Mon père qui a fait de très très bonnes choses, il m'a aussi repris bien comme il faut, et heureusement qu'il l'a fait. Mais je veux dire, avec la douceur, j'entendais pourquoi il ne fallait pas faire ces choses. Quand vous expliquez avec douceur à quelqu'un, mais fais attention, là, regarde ce que tu vas faire, ça va mal se passer pour telle et telle raison.
au travers de la douceur, la personne entend et ressent l'amour de Dieu et l'amour que vous avez pour lui. Et s'il ressent l'amour que Dieu vous donne d'éprouver pour lui, c'est directement l'amour de Dieu qu'il ressent dans sa vie. Et en ressentant cet amour que le Seigneur a pour lui, parce que les choses, peut-être, on l'a repris avec douceur, il est touché. La personne, elle peut être touchée. Elle peut se dire, mais malgré tout ce que je fais, malgré tout ce que... toutes les erreurs, toutes les... vraiment les choses mauvaises que je fais, le Seigneur continue de m'aimer. Et ça, c'est des choses qui peuvent impacter, parce qu'on les fait avec douceur. La douceur, c'est vraiment une marque, et c'est une marque des personnes qui appartiennent à Dieu. C'est dans un autre passage qui me vient en tête maintenant, j'ai plus la référence exacte, mais qui dit « Soyez doux et que votre douceur soit connue de tous les hommes ». C'est un passage dans les écrits de Paul. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes ». Parce que c'est comme ça qu'on reconnaît qu'on est vraiment disciple du Seigneur aussi. Quelqu'un qui est systématiquement méchant et sec, il y a des styles comme ça, et je ne veux pas juger du tout, parce qu'il y a des personnes qui parfois, je pense, parlent de la part du Seigneur en étant, bon, oui, un peu plus ferme. Mais quand c'est systématiquement comme ça, quand dans aucun domaine de leur vie, ils font preuve de douceur, là, c'est pas normal. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et naturellement, quand l'Esprit Saint vit en nous, on fait preuve de douceur. Et ça va de pair avec la bénignité. Juste avant, deux fruits avant, deux morceaux. La douceur et la bénignité, ça va ensemble. Oui, je sais, chérie, oui, je sais. Oui, maman, je sais que... Mais on va en parler calmement. On va faire les choses en douceur. On va revoir ce qu'il faut. On ne va rien omettre. On ne va rien négliger. On ne va rien ignorer. On ne va pas faire les autruches non plus. Et on va se calmer et on va faire les choses en douceur. Donc la douceur, c'est vraiment cette marque que les serviteurs peuvent avoir pour mettre aussi un baume au cœur des gens. C'est un peu l'exemple que je disais tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui vient naturellement quand vous parlez avec l'amour du Seigneur, vous le faites avec douceur. Et la dernière, le dernier morceau sur lequel je veux insister aujourd'hui, et puis je penserai à terminer tout doucement, on parlera un peu plus du deuxième fruit que je voulais aborder la prochaine fois, c'est la tempérance ou la maîtrise de soi. Combien c'est important, frères et sœurs. Pourtant, cette partie du fruit vient en tout dernier. Hein. C'est une partie qui vient en tout dernier. Donc c'est quelque chose, on a évoqué plein de choses, et puis en dernier, la tempérance, la maîtrise de soi. C'est défini comme une modération, une retenue de soi-même, volontaire. Volontaire. Il ne faut pas attendre que cette maîtrise de soi, entre guillemets, vous tombe dans la bouche tout cuit. C'est une attitude qui doit être volontaire. Et quand le Seigneur vit en vous et que son Esprit Saint produit son fruit, c'est quelque chose que vous avez envie de faire, naturellement. Je vais me contrôler, je vais me maîtriser. Le contrôle et la maîtrise de soi, avec une frustration volontaire, à la suite de ma définition. Donc je recommence. Donc la maîtrise, la tempérance, la maîtrise de soi est définie comme une modération ou une retenue de soi-même volontaire. Le contrôle et la maîtrise de soi avec une frustration parfois volontaire. Et on ne va pas se mentir, c'est vrai que parfois il y a des choses qu'on aimerait bien faire, mais qu'on ne fait pas parce qu'on se maîtrise. Ah, celui-là, il m'a coupé ma priorité de droite. On a envie de lancer une petite insulte, par exemple. Oh, on a envie de lever le poing ou ce genre de choses. Et on se retient. Ben non, il faut se retenir. C'est la tempérance et la maîtrise de soi. Et on est frustré. On est frustré de la situation. On est frustré de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on a envie de faire sur le moment, ce qu'on a envie de dire. Mais c'est important de pouvoir se maîtriser. Quand il y a comme ça parfois le ton de la discussion qui peut monter dans certains foyers, un mari et sa femme qui discutent, et quand le ton peut monter, malheureusement, je sais que la tempérance,
n'est pas toujours mise en avant et qu'est-ce qui est parfois dit dans ces moments-là? Qu'est-ce qui sort de notre bouche et malheureusement de notre cœur quand on manque de maîtrise de soi? Le manque de maîtrise de soi, c'est quelque chose qui peut faire des ravages, mais alors énormes dans une vie. Tiens, j'ai envie d'aller boire un verre, on boit un verre, et puis on boit un deuxième, puis on boit un troisième, et puis on est au dixième, et puis on est au douzième, on manque de maîtrise, on manque de tempérance. Tiens, j'ai envie de manger ceci ou cela, et puis on continue, on ne se maîtrise pas. L'un devient alcoolique, quand l'autre devient boulimique. Et on sait que ce sont des choses qui peuvent mener à des maladies qui peuvent avoir le fin mot de l'histoire. Quand on manque de maîtrise de soi, forcément, on peut aussi provoquer de gros dégâts chez les frères et sœurs avec qui on vit, au sein d'une communauté. On a envie de dire quelque chose parce que ça nous gonfle et machin, et pof, on le dit, on le fait sans douceur. On le fait parce qu'on n'a pas preuve, on n'a pas su faire preuve de bénignité. Donc on a fait une montagne de quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Et puis on le dit parce que on a bien envie de le dire et on détruit la personne. On la blesse. Et puis le pire, c'est qu'après, on sait qu'on l'a blessée, mais on ne demande jamais pardon derrière. Vous savez, frères et sœurs, avec tout ça, moi, je m'invite personnellement à réfléchir, souvent. Est-ce que je n'ai pas dit une fois quelque chose à quelqu'un qui l'a blessé et qui l'a éloigné de Dieu? Alors évidemment, c'est sa responsabilité à lui, ensuite, de savoir rester accroché au Seigneur malgré tout. Ça, c'est sûr. Mais moi, personnellement, je n'ai pas envie d'avoir une certaine forme de responsabilité sur le fait qu'à un moment donné, quelqu'un s'est éloigné de Dieu à cause de moi. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite, derrière, suite à ça? Ce n'est pas des choses à prendre à la légère du tout, parce que finalement, si on n'arrête pas de blesser les uns et les autres autour de nous, et qu'on sait que c'est à cause de ça, parfois aussi, qu'ils ne viennent plus à l'assemblée, qu'ils ne viennent plus à l'église, qu'ils ne viennent plus dans nos maisons nous visiter, devant Dieu, on aura un compte à rendre. Devant Dieu, on aura vraiment des comptes à rendre. Pourquoi est-ce que tu n'es jamais allé t'expliquer? Pourquoi est-ce que tu n'es jamais allé demander pardon, si tu sais que tu étais fautif? La vie passe et on se dit parfois, je ferai ça plus tard, et pas plus tard que cette semaine-ci. Malheureusement, je suis allé à l'enterrement de mon voisin. Il avait 60 ans, donc c'est pas un tout jeune âge, mais c'est pas non plus très vieux. Et ça me frappe à chaque fois de me dire, on pense qu'on a tout le temps de la vie. Mais tant qu'on peut agir, il faut le faire, frères et sœurs. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et si donc vous manquez de maîtrise de vous, si vous manquez de tempérance, demandez au Seigneur de vous travailler vraiment sur ce domaine aussi. Et c'est quelque chose sur lequel je dois travailler aussi. J'ai une certaine tempérance dans ma vie, mais je sais que je peux faire mieux. Est-ce que je vais me contenter des fois où j'ai réussi à me maîtriser et j'étais content de voir qu'effectivement le Seigneur m'avait donné de me maîtriser? Ça m'encourage justement à continuer. Et ça m'encourage à vouloir aller plus loin, à me perfectionner. Donc une personne qui marche avec le Seigneur porte, bien entendu, le fruit de l'Esprit. Je vais penser tout doucement à conclure. Ne pensez-vous pas que tout ce que nous avons cité maintenant, donc je les répète, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, et je peux vous dire que la tempérance dans le... Parmi les gens qui ne sont pas avec le Seigneur, il y en a beaucoup, beaucoup qui en manquent. C'est quelque chose, je dis ça parce que c'est quelque chose qui les choque. Quand ils voient que quelqu'un est capable de se maîtriser. Quand ils voient que quelqu'un est capable de parler avec douceur, avec amour, c'est quelque chose qui les choque, mais vraiment. Et ils se disent, mais d'où il sort ce gars? D'où sort cette femme? Comment ça se fait qu'elle est capable ou que lui est capable de se maîtriser, de faire preuve d'amour et de douceur? Ça les invite à réfléchir, frères et sœurs. Tout ce qu'on a ici évoqué, ça invite à réfléchir les personnes qui n'appartiennent pas encore au Seigneur, à se demander d'où viennent toutes ces belles qualités dont on peut faire preuve. D'où viennent ces belles fleurs
et ses beaux fruits qu'en tant qu'arbre nous portons. Et donc en portant le fruit de l'Esprit, nous sommes en train de porter toutes ces belles fleurs. Et de nouveau, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour notre gloire parce que on n'est que bien peu de choses. Mais au contraire, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. Et en lui rendant gloire de cette manière, nous inciterons les uns et les autres qui n'appartiennent pas encore au Seigneur à s'approcher du Seigneur. Mais tiens, pourquoi est-ce que lui, il a la paix dans sa vie alors que tout part en cacahuète? Comment ça se fait qu'il a quand même la joie? Comment ça se fait qu'il a quand même l'amour? Comment ça se fait qu'il arrive quand même à parler avec les autres avec douceur? Mais moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux pouvoir parvenir à ça. Et donc, ensuite, ils vous poseront la question, vous leur direz, approche-toi du Seigneur et le Seigneur te montrera. Demande-lui pardon pour tes manquements, pour tes péchés. Fais preuve de repentance. Accepte-le dans ta vie en tant que Seigneur et Sauveur. Et puis, gratuitement, il te donnera toutes ces choses. Toutes ces choses que, finalement, beaucoup de personnes cherchent durant toute une vie. D'avoir la paix, d'avoir l'amour, d'être dans une situation qui leur donne de la joie. Ils cherchent ça toute leur vie, ils dépensent des sommes d'argent faramineuses pour ça. Alors que le Seigneur, lui, nous le donne gratuitement. Donc le prochain fruit qu'on abordera ensemble, au prochain message, c'est quand même quelque chose sur lequel je voulais insister, c'était en Éphésiens chapitre 5, versets 8 et 9. Je lis rapidement avec vous. Le Seigneur nous donne ici de savoir qu'autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc évidemment, toutes sortes de bonté, ça fait partie du fruit que l'Esprit porte en nous. Mais on reparlera donc du fruit de la justice et de vérité la prochaine fois que nous serons ensemble, parce que ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on peut tous progresser, savoir faire preuve de justice et savoir faire preuve de vérité, arrêter d'être dans le mensonge. Quand on appartient au Seigneur, c'est incompatible. Donc en conclusion, je voulais juste dire ceci, c'est qu'on reconnaît bien entendu un arbre à ses fruits, hein, frères et sœurs. Et comme le dit le Seigneur, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Si donc il y a une personne qui se prétend être de Dieu et qui porte tous ses fruits, il y a tout lieu de croire qu'effectivement il appartient bien au Seigneur. Comme un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, le mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Donc si vous voyez quelqu'un qui porte de mauvais fruits, c'est qu'il vaut peut-être mieux ne pas imiter son comportement et ne peut-être pas non plus trop écouter ce qu'il a à dire. Donc examinons aussi, donc là on parle des autres, mais terminons peut-être sur ce point important. Examinons attentivement les fruits que nous portons, nous, dans notre vie. Est-ce que nous savons faire preuve de bonté, de bénignité, d'amour, de douceur, et ainsi de suite? Sommes-nous pleins de vérité ou pleins de mensonges? Donc est-ce que ces fruits, est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils sont mauvais? Puisqu'évidemment, j'ai abordé les bons fruits, mais il y en a des mauvais. Est-ce que ces fruits sont à la gloire de Dieu ou à la nôtre? Est-ce qu'on essaye de faire des choses dans notre vie qui sont là pour glorifier le Seigneur ou pour essayer de nous mettre nous-mêmes en avant? Est-ce que là, vous mettez en gloire, c'est votre orgueil? Est-ce que les fruits qu'on porte sont là pour édifier les autres, ou sont là juste pour nous élever, nous, au-dessus des autres? Et on retombe dans l'orgueil. Dieu nous donne de porter des fruits qui nous édifient aussi, bien entendu. Ça, j'assiste aussi là-dessus, on a beaucoup parlé de ce qu'on peut faire pour les autres, mais Dieu nous donne de porter des fruits qui nous édifie aussi d'abord personnellement, mais il y a toujours une finalité de servir et d'édifier le corps du Messie. Examinons-nous, et s'il y a lieu de le faire, je vous invite à sincèrement demander pardon au Seigneur, de faire preuve de repentance et de simplement lui demander
de nous aider à changer, de nous donner, de nous enraciner d'autant plus en lui, puisqu'à l'image de cet arbre qui porte un bon fruit, il faut avoir ses racines correctement enracinées et établies en lui. Il donnera sa joie et sa paix qui surpassent tout, absolument tout. Frères et sœurs, je vous encourage à rester fidèles au Seigneur, à rester connectés et, je vais dire, concentrés sur toutes ces belles choses que le Seigneur veut vous donner absolument gratuitement. Soyez encouragés à poursuivre ces temps qui sont difficiles dans la marche avec le Seigneur et qui puisse vraiment, vraiment vous donner sa paix et sa joie. À bientôt et puis je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Merci Seigneur, gloire à toi. Fanti, beni bitza fanti, imenatecha.